locked in my room, four black balls, tied the noose, no recall, no result, fuck withdraw, rather shoot up till I fall, murder on. Yo tout le monde, c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur PS4, sur Fortnite Battle Royale. Mais avant de vous parler du gameplay, je vais vous parler de 2-3 petits trucs. Donc voilà, oui j'ai acheté la PS4, mais non, je n'arrête pas la Xbox, vous inquiétez pas, je suis pas passé sur PS4, j'ai acheté la PS4 en plus. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai acheté la PS4, comment ça s'est fait, etc. Mais d'abord, je tenais vraiment à expliquer que je n'ai pas arrêté la Xbox parce que j'ai vu pas mal de personnes qui ont stressé limite que j'arrêtais. J'ai reçu limite des menaces et tout. Je sais que beaucoup de personnes ont acheté la Xbox pour moi, donc jamais je me permettrai de passer sur PS4 comme un bâtard en soi. Mais voilà. Alors, je vais expliquer comment jouer avec moi sur PS4, etc. Sur Xbox, je ferai une vidéo spéciale pour, parce que je sais que cette vidéo ne va pas faire énormément de vues, vu que c'est plus des gens qui ont la PS4 qui vont regarder justement pour jouer avec moi, ou parce qu'ils ont la PS4 tout simplement. Voilà. Après, parlons du gameplay. Donc déjà, le gameplay, c'est, je suis sur Fortnite Battle Royale. Déjà, je ne sais pas du tout jouer à Fortnite, je n'ai jamais joué à ce genre de jeu, je ne sais même pas comment on peut appeler ce genre de jeu, parce que moi, je n'y connais pas du tout. Moi, à part Call of, GTA et Forza, c'est le seul truc que je touche en soi. Et là, ici, Fortnite, franchement, j'ai accroché. Franchement, j'ai vraiment accroché. J'ai joué une game sur Xbox One, et ici, j'ai vraiment accroché sur Fortnite. J'ai vraiment kiffé le concept, etc. Donc je vais pas vous expliquer les règles, etc. Vu que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Il faut savoir que vous allez voir des déplacements bizarres. Vous allez voir que j'ai pas forcément de shoot. Mais il faut savoir que j'ai acheté le jeu. Enfin j'ai acheté le jeu, il est gratuit. Mais j'ai eu le jeu, enfin j'ai commencé à jouer il y a seulement 3 jours. La PS4 je l'ai acheté il y a même pas une semaine. Donc voilà. Donc faut pas s'étonner si je suis pas si bon que ça. Mais je trouve que je me débrouille pas mal pour un débutant, tout simplement, niveau kill. Maintenant, il y a pas mal de défauts, mais ça, je vais vous expliquer, pas du jeu, hein, mais niveau de moi-même, mais ça, je vais vous expliquer au fur et à mesure du temps de la vidéo. Bon, je vais revenir sur la PS4. Alors, la PS4, le pourquoi du comment que je l'ai acheté, et ben tout simplement parce que déjà, je me dis que je suis un YouTuber, donc j'ai 44 000 abonnés aujourd'hui. Et tu sais, à 44 000 abonnés, tu commences à te perfectionner, tu commences à acheter des choses, pas seulement pour toi, mais tu te dis, ben voilà, t'as autant de gens qui te suivent, c'est normal que tu montes, tu vois ce que je veux dire? Donc que tu montes dans les dépenses, dans tout, pour plaire aux gens, pour faire du contenu, pour etc. Et beaucoup de personnes ont acheté la Xbox One pour moi, pourquoi pas j'achèterai la PS4 pour les gens, tout simplement, pour jouer avec mes potes, pour jouer, enfin aussi. Il y a une grande partie, ça a été pour ça, c'est-à-dire que la PS4, c'est un peu la console par défaut. C'est le genre, la PS4, c'est le genre de console que tout le monde a acheté, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Le monde entier l'a acheté, tous mes potes de mon côté, de chez mes potes, etc., l'ont acheté. Les potes de ma copine l'ont, le frère, etc., tout le monde a la PS4, vous voyez? Les moments comme ça, je les ai mis en accéléré parce que ça, c'est long et ça va être chiant pour vous, mais voilà. Donc du coup, la PS4 c'est vraiment la console par défaut. Donc je me suis dit déjà je vais jouer avec mes potes. Alors sur Xbox One je joue avec des gens. C'est sûr je joue avec les abonnés, je joue avec les frérots, les ATZ etc. Mais c'est des gens que je ne connais pas dans la vie réelle. Vous voyez à part Speed etc. Mais que je ne connais pas vraiment dans la vie réelle. Et jouer avec ses potes dans la vie réelle c'est vraiment un kiff. Et c'est depuis longtemps que je n'avais plus retrouvé ce kiff. Et là je le retrouve sur Fortnite, joue avec des potes, les petits frères. Dédicace à Gaëtan etc. Franchement voilà. Pour moi, c'est un kiff justement de jouer sur la console, de jouer sur une console que t'as tous tes potes qui jouent avec toi. Putain, vous avez vu, là, il était juste à côté de moi, la chatte. Et donc voilà, j'ai vraiment kiffé le concept. Fortnite, j'ai kiffé aussi, j'ai commencé à jouer à fond sur le jeu là. Et la PS4, ça s'est fait d'un coup de tête. Mes potes, donc vous voyez, Speed et Mimi qui sont rentrés dans la team, ATZ, elles voulaient l'acheter pour jouer. Et donc du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je l'achète aussi. Bam, ça s'est fait comme ça, on a été au magasin le jour même. Et bam, je l'ai acheté. C'est pas prise de tête, tu vois, tranquille. Donc voilà, j'ai acheté aussi un micro A10, un Astro à 70€, donc 70€ pour les Belges, les Suisses, etc., les Canadiens, bref. Et donc du coup, franchement, le A10 va très bien.
Le seul défaut de la PS4, déjà, enfin, je sais pas si c'est moi, donc dites-moi en commentaire, mais déjà, je la trouve super lente. Donc, je vais dans les menus, j'appuie sur un truc dans les menus, par exemple, je sais pas, mon profil, ça va charger pendant des fois 3 minutes, alors que la console, je viens de l'acheter, tu vois, ça c'est inacceptable pour une console que tu viens d'acheter. Maintenant, il faut savoir que je vais vous parler question price, des questions de l'argent. Donc, il se passe que la PS3, la PS4, je l'ai acheté, je pense, 299. Pour deux jeux et deux manettes. Donc c'est vraiment une affaire en or que j'ai fait. Voilà, je sais qu'il y en a eu, il y en a qui l'ont eu gratuit, etc. Bref, mais moi, je l'ai acheté 299, en gros 299. Et franchement, je trouve que c'était une affaire. Le casque, 70 €. Et pour le casque, c'est, ça vaut largement large. Et j'ai déjà acheté un Astro, l'autre, celui que j'utilise actuellement, c'est un A50, lui m'a coûté 300 €. Donc du coup, bon, lui, c'est l'abus, c'est vraiment le casque. Genre, voilà, mais c'était pour Xbox, etc., etc., et je pouvais pas l'utiliser sur PS4. J'aurais su, ben, j'aurais acheté un truc qui vont pour les deux, mais bon, bref, c'est pas grave. Le problème de la PS4, le défaut, c'est que déjà j'ai le défaut, ben, j'ai dû racheter un casque, etc., mais bon, ça c'est pas vraiment un défaut. Le défaut, c'est quoi? C'est que je n'ai pas le son du jeu. Et donc, la game que vous voyez là, j'en ai fait des meilleures, donc j'ai déjà fait 3-4 top 2. Mais avec des gens, donc en duo, etc., pas en solo. En solo, c'est, je crois, une plus. Enfin, vous allez voir la partie, mais c'est une des plus belles que j'ai fait. Le problème, c'est que ceux que j'ai fait top 2, je n'ai pas su tout simplement m'occuper de faire l'enregistrement parce que ça n'a pas fonctionné vu qu'on n'entendait pas le son du jeu. Et ça, je ne le savais pas, vous voyez, moi je mets tout le temps en mute, enfin bref. Donc du coup, là ici, je dois m'acheter 50 000 câbles en plus, je dois aller au magasin, enfin c'est un bordel, c'est un investissement. Mais bon après, je me dis, la PS4, joue avec mes potes et c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc voilà. Alors, je vais vous inviter tous, donc pour jouer avec moi sur PS4, c'est très simple, il suffit de m'ajouter en ami. Alors, mon pseudo, donc je vais vous l'afficher à l'écran tout de suite, à l'instant. Donc mon pseudo, c'est White. Et White avec deux i. Et après, c'est 4K. Ok? Parce que White HD, White 4K, c'est la résolution en plus. Donc c'est stylé, tu vois. J'ai trouvé ça pas mal. Il me fallait un petit gamer tag stylé. White HD, on me l'avait déjà pris. Donc je sais pas qui l'a pris, mais bon, bref. Et donc, du coup, voilà. Alors, je vais vous inviter aussi à m'ajouter sur Xbox One. Donc c'est ATZ espace White. Donc ça, je vous mets à l'écran aussi. Mon Instagram, c'est Kevin Cornil avec 3 i à Kevin. Et enfin, je vous mets tout à l'écran de toute façon, et mon Snap Kevin Corning, donc voilà. Donc ça c'est pour mes réseaux. J'ai changé aussi de bannière YouTube, donc je vous la mets tout de suite à l'écran, et de logo YouTube. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, franchement. Alors je sais, je suis parti pendant un mois, j'ai eu un petit mois d'inactivité. J'en profite de cette vidéo pour vous parler, même si c'est les puristes PS4 qui vont regarder cette vidéo, je pense, ou les puristes Fortnite qui regardent toutes les vidéos de Fortnite, parce que j'ai vraiment pas un bon niveau, et que voilà. Et que tu vas pas cliquer sur ma chaîne pour regarder du Fortnite, mais voilà. Dites-moi aussi si ça vous plaît du Fortnite, et je pourrais en faire en vidéo de plus en plus. Pourquoi pas, franchement, c'est un jeu que j'ai accroché. J'ai vraiment kiffé ce jeu, et je le saigne depuis là. Je suis déjà niveau 20, j'ai acheté une nouvelle tenue, vous voyez, mais je le saigne, et ça fait que 3 jours que je l'ai, donc je le saigne, mais vraiment violemment. Violemment, merde. La tenue là, je l'ai achetée. J'ai mis 10 boules dans le jeu parce que tu sais, le jeu il est gratuit. Je me dis 10 € c'est rien. Pour un jeu gratuit, c'est large la peine, tu vois. Voilà. Et donc voilà. Quoi d'autre sur la PS4 que je pourrais dire? Donc, enfin, oui, voilà. Il faut pas le prendre en mode je vais arrêter Xbox et tout. Alors là, rien à voir. C'est juste un plus. C'est-à-dire que voilà, on sera plus. Enfin, on pourra jouer avec moi, etc. Alors oui, voilà, jouer avec moi, j'en étais là. Donc, jouer avec moi, en fait, c'est très simple. Il suffit de m'ajouter un ami, comme je vous l'ai dit. Je vous ai déjà donné mon pseudo. Le truc, c'est qu'en fait, ben, c'est tout con ce que je vais vous dire, mais il faut marceler. Pourquoi marceler? Parce que, ben, quand vous êtes sur moi, j'ai 44 000 abonnés. C'est logique que j'ai pas mal de messages. Que ce soit d'abonnés, que ce soit de n'importe qui, j'ai pas mal de messages, ça c'est normal, tu vois, tous les youtubeurs ont des messages, etc. J'en ai pas mal, surtout que j'ajoute tout le monde en fait, hein. Sur la Xbox j'ajoute tout le monde, sur la PS4 j'ajoute tout le monde pour l'instant aussi. Il faut savoir que j'ai que 100 amis, bon là ça fait que 3 jours, j'ai 100 amis, donc imaginez-vous dans une semaine, même plus. Donc faut vraiment m'ajouter le plus vite possible parce qu'apparemment c'est 1000 amis maximum. Sur la PS4, donc je sais pas comment ça se déroule. Sur la Xbox, je sais qu'on peut être abonné. Ici, je ne suis pas sûr. Donc voilà.
Niveau de mes déplacements sur Fortnite, n'hésitez pas aussi à m'aider. Moi, en fait, le seul défaut que je me trouve sur Fortnite, donc je sais, je pars d'un sujet, j'en reviens à un autre, enfin, vous me connaissez maintenant, je suis un mec comme ça. Bref, le seul défaut que je trouverais pour moi, de moi, enfin oui, j'ai énormément de défauts sur Fortnite, mais je veux dire, niveau kill, on voit que je me débrouille, ça va, tu vois. Le seul défaut, c'est quoi? C'est que je ne construis pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout le réflexe de mettre une planche, me couvrir en fait. Et ça, c'est vraiment un réflexe qu'il faut que je, que je, que je, enfin, qu'il faut que j'aille, quoi. Enfin, faut vraiment que j'attrape ce réflexe, quoi, tu vois. Parce que franchement, c'est inadmissible, tu vois. Il faut vraiment que j'attrape ce réflexe. Et le jour où j'aurai ce réflexe, je pense que je serai plutôt chaud. On verra, tout simplement. Je vais pas être le meilleur joueur au monde, hein, mais voilà, voilà. Il y a pas mal de petits trucs que j'aimerais bien faire sur Fortnite. Enfin voilà. Maintenant, n'hésitez pas à me dire pour m'améliorer. Parce que voilà, faut savoir que YouTube, c'est une source pour se parler, etc. Et là, je vous parle. Généralement, je fais des vidéos, je fais des trucs, je vous parle pas. Là, je vous parle à cœur ouvert en soi. Et j'aimerais bien vos conseils, donc en commentaire, ce que je pourrais faire sur ma chaîne, ce que je devrais faire, ce que vous n'aimez pas, ce que. Voilà, dites-moi tout. Maintenant, il faut savoir que beaucoup de personnes me demandent des polices voleurs, des jeunes conducteurs, pas mal de choses comme ça. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais il faut savoir que du côté de Forza, y a une baisse de vues énorme. Que ce soit moi, que ce soit des gros youtubeurs Forza, etc. Il y a une baisse de vues parce que Forza, normal, ça fait déjà quelques temps qu'il est là. Mais il faut savoir que Forza, cette année, normalement, Horizon 4 sort. Donc là, ça va être du lourd. Donc là, ça va baiser le game, je pense. Parce que là, le jeu qui baise le game pour l'instant, c'est Battle Royale Fortnite. Alors moi, il faut savoir que je veux pas faire tous les jeux qui baisent le game pour le moment. Fortnite, c'est parce que tous mes potes y jouaient. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, il est gratuit, allez hop, on va essayer. Et j'ai accroché. Et je pense que tout le monde qui a essayé gratuitement a accroché. Alors là, vous allez assister à un truc de fou, donc cette partie. Donc il faut savoir que je suis pas si bon que ça. De loin, j'évite de faire des trucs parce que s'ils commencent à construire et qu'ils font des trucs, des escaliers, vous voyez, et qu'ils commencent à me tuer par-dessus, je ne saurais rien faire. Donc du coup, des fois, j'utilise le temps en ma faveur. Donc comme vous voyez, j'ai déjà combien de kills là? Je vais regarder parce que j'ai mon truc. J'ai 6 kills, c'est déjà bien. Il en reste plus que 5. Alors moi j'ai pas envie de les rusher, je me dis ils vont s'entretuer, vous voyez ça construit, ça fait des trucs. Donc là lui on le voit courir. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Donc là j'étais en train de temporiser comme un gros chevreuil, je dirais même, un écureuil dans l'arbre. Et je me suis dit à un moment, bon, je vais y aller. Donc ça c'est l'erreur de moi. En fait sur Fortnite, il y a des joueurs qui sont putain de bons, donc eux ils rushent et tout, d'accord, mais moi je suis pas bon, donc je suis pas censé rusher, mais moi je rush. Donc là regardez, donc là voilà, j'ai vu sa petite tête, j'ai tiré dessus, je l'ai tué, je suis fier de moi déjà que je l'ai tué. Mais là j'ai fait l'erreur de ma vie, franchement je ne sais pas comment la partie aurait déroulé. J'ai fait l'erreur de ma vie, vous allez le voir, et je suis obligé de vous le dire maintenant parce que j'ai fait l'erreur de ma vie, franchement c'est un truc de fou, l'erreur que j'ai fait. À ce moment-là de la partie, vous allez voir. Ici, je change d'arme et je prends une autre arme en fait. Et là, le mec m'a vu changer d'arme. Et quand j'ai pris l'autre arme, il a vu l'arme disparaître et il a tiré dans le buisson. Logique. Putain, j'aurais pas changé d'arme, peut-être que j'aurais pu aller loin. J'aurais pu peut-être tuer, taper top 2, top 1. J'avais la Scarache, donc la Scarache qui est une des meilleures armes, j'ai compris. Donc ça va. Pour finir, le mec là, il a pas fait de la merde, vous allez voir. Donc du coup, bon, je me dis, il m'a pas tué pour rien en soi. Mais regardez toutes ces constructions là en 2 secondes comme ça, je sais pas du tout faire ça. Bon, après, je vais vous faire un petit ratio. J'ai fait 7 kills, j'ai fait 2 assistants, j'ai une précision de 40%, coup au but, j'ai eu 86, 96, tir dans la tête 15. Donc voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter votre avis. N'hésitez pas à commenter à votre gamer tag. Je vais quand même commenter mon gamer tag pour ceux qui auraient fermé les yeux au moment que je les ai mis dans la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur la PS4. Profitez-en pour jouer avec moi. Harcelez-moi. Envoyez-moi plein de messages, des invitations, etc. Et à un moment donné, je la verrai parce que je désactive les notifications. Faut le savoir parce que j'ai plein de messages après quand je joue. Mais voilà. Peace tout le monde et à la prochaine, n'hésitez pas à liker. Ciao. Un nouveau jour se lève, avec lui les problèmes qu'il enferme. Puis t'apprends du verbe, tu dis que tu vas passer à long terme. Tu as toujours survécu dans l'ombre, solitude en toi, après ça le compte.